à commencer. Coucou mes décorologues et de bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien car moi ça va. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo organisation. C'est le premier du mois et j'ai décidé pourquoi pas vous faire une vidéo d'organisation du mois. Comment je m'organise, comment je continue à organiser mes espaces. Alors j'espère que la vidéo va vous plaire. Prenez une bonne tasse de thé, café, un petit champomis, toujours dépendant à l'heure à laquelle vous visionnez la vidéo. Et regardez jusqu'à la fin. C'est vraiment pratique. Hein? Tous nous, les femmes, on est tellement occupées. Travail de la maison. Tu te fais un bon thé, un bon café. Et deux minutes après, il est froid. Je veux le finir. Ça, là, je veux le finir. C'est trop bon. Il est froid. Ben, cette plaque chauffante te permet à garder ta boisson chaude pendant que tu fais ton ménage, pendant que tu es en train de bosser. Et puis, la vie est belle. Hein? Alors, je vais laisser le lien dans la barre de description. Si tu es intéressé, ben, va t'en procurer un. C'est un prix abordable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais organiser le placard à manteaux. Il est devenu bordel, mais grave quoi. Nous sommes 5 à la maison et nous partageons un petit placard. Ce qui rend les choses un peu plus compliquées, je pense que c'est que nous vivons au Canada. Et au Canada, il y a 4 saisons. Alors ça veut dire multiples chaussures, manteaux. Et si on ne fait pas attention, si on ne fait pas le tri au quotidien, ben ça se peut qu'on se retrouve avec tous nos chaussures à l'avant, tous nos manteaux. Hein. On se comprend. Alors là, j'ai décidé de faire le tri de toutes les chaussures. J'ai dit aux enfants, là, l'été est terminé. Alors tout ce qui est sandales, babouches, hein, chaussures d'été et tout, mettez-les dans vos placards, dans vos chambres. Gardez juste les chaussures fermées, baskets et tout. Mais même avec ça, on a tellement. Alors là, j'ai un petit, une petite armoire à l'avant, mais celle-là range seulement les chaussures des enfants. Nous, on utilise, on occupe le placard, mais avec le nombre de chaussures, je vous dis, hein, ça déborde, peu importe. Alors aujourd'hui, je veux faire l'organisation du placard. J'ai acheté un système d'organisation qu'on va monter un peu plus tard. Et entre deux aussi, je veux faire un petit ménage, regardez, hein. Je veux sortir ma champonneuse et profiter de nettoyer mes chaises et mon petit banc. Et c'est ça quoi, alors plein d'astuces au niveau organisation et ménage. Alors restez connectés. Pour éliminer mes tâches, j'utilise ce produit Resolve. Ça marche très bien pour les vêtements. Alors j'ai dit pourquoi pas l'utiliser aussi pour mes fournitures. Ça marche trop bien, surtout si les tâches sont encore fraîches. Hein. Juste en asperger un peu, laisser ça agir et par la suite avec votre brosse ou votre machine, là, votre champonneuse, passer par-dessus, ça enlève la tâche directe. Alors, je pense que les secrets de Milos, Karine, demandait quel produit je pouvais utiliser pour mon tapis. Ben, je te recommanderais celui-là, essaye celui-là et voir si ça enlève tes tâches. C'est tellement satisfaisant cette machine, je vous dis. On se sent tellement puissant quand on l'utilise. Hein. On élimine les tâches. Regardez-moi ça, le résidu. Ça n'a pas utilisé beaucoup d'eau, mais c'était ça. Là, un peu de temps, elles se sont salies vite. Hein. Bon, alors je vais aller vider le réservoir. Toujours bien le nettoyer parce qu'il y a la saleté. Alors l'odeur est toujours là. Alors bien rincer votre réservoir. Le laisser sécher hein, parce que les odeurs, il y en a.
Amazon. C'est ça. Alors, stainless steel 4-tier shoe rack. Alors, c'est une étagère en acier de 4 étages pour mettre les chaussures. J'ai aussi commandé des paniers. Les paniers, hein, c'est la meilleure méthode de s'organiser. Alors, je vais laisser tout dans la barre d'infos si vous êtes intéressé. Ben, c'est ça. Alors là, j'ai 6 paniers. Ah, je pensais qu'il n'y en avait que 4. On a 6. Alors, c'est ça. Alors, c'est 6 paniers pliables gris. Je vais les mettre sur l'étagère dans mon placard. Hein. L'hiver approche. Les mitaines, les gants, les écharpes, les foulards, les chaussettes d'hiver des enfants. Tout vont aller là-bas. Alors, moi, j'ai 3 enfants. Alors, j'en ai un panier supplémentaire pour moi et papa. Alors, ça fait l'affaire. Alors, c'est ça. Et j'avais aussi commandé un calendrier pour m'organiser. Les enfants, ils ont tellement des activités. Moi-même, j'ai tellement d'activités et tout. Alors, ça va être sur le frigo. C'est un aimant, un calendrier en aimant pour mettre sur le frigo. Je vais l'ouvrir maintenant avec vous. Son acrylique, alors c'est bon, c'était minimaliste. Alors tu as un calendrier pour le mois et un autre pour la semaine, école de sport et tout. Ils vont écrire leurs horaires ici, comme ça va être sur le frigo. Il y aura plus d'oubli ou quoi que ce soit. Alors c'est ça, c'est trop beau, hein. Alors et ça vient avec une trousse que vous montrez. Alors ça vient avec des marqueurs, 2, 4, 6, 8, 10, 12 marqueurs de couleur. Ça vient avec une efface, une éponge efface. C'est fou, hein. Bon, alors c'est parti, on va appliquer le calendrier. Avant de commencer, je vais nettoyer le frigo, je vais l'essuyer à toutes les marques de doigts et tout. Mais sinon, les aimants sont bien, quoi. Ils sont vraiment forts, ils adhèrent bien à l'acier du frigo. J'aime trop, c'est pas imposant, hein. On voit pas qu'il y a quelque chose là et tout, hein. C'est trop stylé. Ça a trop bien été façonné parce que la grandeur est exacte à ma porte. Ça m'empêche même pas d'ouvrir la portière. Regardez, non, ça m'empêche pas du tout à l'ouvrir, la fermer. C'est parfait. Maintenant, il n'y a plus d'excuses, hein. Il faut qu'on soit organisé. Surtout les enfants, ils ont kiffé comment ils se sont acharnés et tout. Ils ont écrit tous leurs horaires de la semaine, du mois et tout. Non, mais c'est trop bien. Alors, je vous laisserai dans la barre d'infos le lien si vous voulez vous en procurer. C'est sur Amazon. Allez-y. Faites-vous plaisir. Un calendrier stylé comme ça sur le frigo, si vous avez de l'espace, bien sûr. Ça fait l'affaire. Bon, alors c'est parti maintenant pour l'organisation du placard à manteau, le placard principal, le seul placard. Ouais, on a seulement ce placard à partager à 5. Alors, l'hiver approche, je ramène des manteaux, des mitaines, des bottes et tout. Alors, je me suis dit non, il faut que je commence à l'attaquer maintenant, avant que ça s'empire. Alors, le placard se situe comme ça. Alors, ça, c'est la porte qui ramène au jardin. Là, on a la salle de bain, la toilette d'invité. Et juste en face, c'est le fameux placard. Alors, il se présente comme ça. Et c'est le bordel, je vous dis. C'est vraiment un fourre-tout parce que c'est le seul placard, franchement, hein,
qui a l'espace pour du rangement. Alors, j'ai acheté les étagères, on va le monter, on va le mettre là, on va tout débarrasser. Et c'est ça, hein, j'ai aussi les paniers que j'ai achetés, on va tout ranger, on va tout vider, hein, j'ai de la décoration de Noël, les équipements de sport des enfants, les casques et tout, quelques boîtes à dîner, comme vous voyez, hein, des cahiers de l'école scolaire de l'année dernière. Ici, j'ai quoi? J'ai quelques étagères ici, j'aime trop car c'est profond, je peux mettre encore des boîtes de rangement ici. Mais sinon, c'est ça. Alors, c'est parti, on va tout débarrasser. Je me présente pour les nouveaux. Mon nom est Vanessa. Je fais des vidéos sur la réno, déco, l'organisation et le DIY. Alors, brother, sister, si c'est un contenu qui t'intéresse, mais n'hésite même pas, mais abonne-toi. Et quand tu t'abonnes, n'oublie pas de cocher la cloche de notification pour toujours être avisé une fois que je posterai une nouvelle vidéo. Ça me fera gravement plaisir que tu fasses partie de ma famille de décorologue. Dégoulasse. Dégoulasse, dégoulasse, dégoulasse. It's magical when you are close. So get closer, babe. What do you got? 'Cause I am gold. I'm golden. Non, mais ce petit placard m'a fait bosser. Je ne peux pas imaginer toutes les choses qu'on avait rangées à l'intérieur, mais c'était n'importe quoi, quoi. Alors, ça fait trop du bien de pouvoir l'essuyer tel quel. Regardez-moi tout ça. Tout ça, on doit le trier. D'autres choses, je vais le mettre dans le garage. On va tout trier, en fait, hein. C'est la deuxième fois que je fais la commande de ce genre de panier. J'avais fait une commande il y a cela quelques années. C'était pour 4 des tout blancs. Ces paniers sont très pratiques. Ils sont assez larges. On peut ranger presque tout, jouets, habits, accessoires. C'est trop bien. Ça fonctionne bien aussi dans les meubles. Vous voyez les cubes là. Ouais. Alors j'en ai dans la chambre de mon fils. Et je pense que ça va bien fonctionner dans le placard à manteaux pour ranger presque tout, hein. Le montage de meubles, j'aime pas ça. C'est trop intimidant, hein, je vous dis. C'est trop intimidant, tous ces morceaux, toutes ces vis. J'aime pas ça, mais je continue à acheter. Alors, monsieur n'est pas là, alors je suis livrée à moi-même. Je vous dis comment j'aime pas faire le montage de meubles. C'est pitoyable, mais il n'y a pas le choix. On a commandé, c'est parti. Montons l'étagère. À quatre, ouais, le meuble à quatre étagères là pour poser Ce les que choses. Je déteste le plus, c'est l'assemblage. Oh, j'aime pas assembler des trucs. Vous pensez que j'aime, mais j'aime pas. C'est chiant. C'est chiant, je vous dis. Je finis toujours avec des vis supplémentaires. Je comprends pas ce phénomène. Ça m'a bouffé tout mon temps pour ce petit truc-là. C'est tout. Je ne monte plus de meubles. Je prends la retraite. Bon, ouais, c'est juste une petite étagère. Elle est sympa. Rien de grave. Hein. Rien de grave, regardez. Une, deux, trois, quatre. Bon, c'est parti. Ça m'a bouffé tout mon temps. Je pense pas qu'on aura le temps pour l'organisation aujourd'hui.
Alors, c'est ça. La maison est un vrai bordel. Alors, je pense pas que j'aurai le temps de vous filmer le rendu car je dois tout organiser. Et là, je dois sortir. Alors, ça va être pour prochaine vidéo. Ouais, alors, les paniers vont être comme ça. Là, je vous donne un aperçu. Et en bas, ici, on va mettre, je pense que ça va être plutôt plus vers là. Comme ça. Ok. Alors, on se dit à la prochaine pour l'organisation du placard d'entrée de la maison. Et espérons que j'aurai aussi mes étiquettes. J'ai envie d'étiqueter tout cela. On le fera à la prochaine vidéo, mes décorologues. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des idées, hein. Encore une fois, organisation, c'est la clé de notre réussite. Alors, ménage, organisation, rangement. Je vous dis, on va s'en sortir.